La chancelière Angela Merkel avait établi de former un gouvernement de coalition tripartite. Les analystes disent que les Allemands ont des sentiments mitigés sur l'effondrement des pourparlers de la coalition. L'effondrement est également une mauvaise nouvelle pour l'Europe, étant donné le rôle de l'Allemagne en tant que plus grand État membre de l'Union européenne. Les analystes disent aussi que c'est mauvais pour l'Europe que le gouvernement allemand prenne un peu plus de temps pour se former, parce que sans mandat, il sera difficile pour les États membres de prendre position. Je vais commencer par dire que je n'ai aucun problème avec les réélections. S'il n'y a pas de majorité de ce genre, s'il n'y a pas de chevauchement de contenu, et cela a été en sorte très douteux dès le début en Jamaïque qui détient ce type de coalition. De nouvelles élections sont la voie à suivre, et je pense que c'est correct et bon. Mon instinct m'a dit que ça allait arriver, et je trouve ça un peu courageux de dire honnêtement, ça ne va pas. Parce que si c'est si compliqué dès le début, ça ne peut pas bien aller sur le long terme, mais c'est quand même dommage. Oui, je trouve ça très mauvais. Je veux dire, il est difficile d'avoir quatre parties ensemble. Nous devrons entendre et voir. Mais si je dois être honnête, je vois venir de mauvais moments.